Bon matin tout le monde, ça m'était beaucoup demandé de faire, beaucoup. Il y a quelques abonnés qui m'ont écrit pour que je fasse une vidéo, une journée dans mon assiette. Fait que voilà, j'arrive du Zumba, il est 10h39. Hein, vous voyez même pas. Non mais bizarre. Il est 10h39, puis j'ai pas encore déjeuné parce que j'étais allée au Zumba ce matin, puis le Zumba était à 8h45 ce matin. Fait que c'était comme trop tôt, tu sais, je me suis pas levée à 7h pour déjeuner. Fait que j'ai pas déjeuné, j'étais allée au Zumba direct. Fait que là, je viens d'arriver, puis le temps que je prépare mon déjeuner, ben j'ai vraiment faim. Fait que je me suis fait un shake de prot. Ma protéine, elle est vraiment bonne. C'est une des seules moins chères que j'aime, là, parce que les autres que j'aime sont vraiment chères. C'est la Power Whey complexe aux fraises. J'en ai à la vanille, mais quand ça goûte la crème glacée à la vanille, là, je déteste ça. J'aime vraiment pas ça. Ça me lève le cœur. Fait que je commence ma journée avec mon shake de prot. Le temps que je prépare mon déjeuner, je vais vous montrer mon déjeuner ensuite. Donc voici mon déjeuner. Je mange deux œufs. Dans le fond, une omelette avec, il y a du fromage dedans. Trois petites tranches de fromage puis des épinards. Avec du yogourt grec à la vanille. Puis trois tranches de poulet rôti. Ça, tu sais, d'habitude, je n'en ai pas, mais là, j'en avais. Fait que je veux pas le perdre. Fait que je l'ai inclus dans mon déjeuner. Avec ça, je prends des vitamines. Je prends une oméga-3. Je prends des méga antioxydants de Usana. Des multiminérales de Usana aussi. Et l'hiver, je prends de la vitamine D de Usana aussi. Puis c'est vraiment la combinaison qui m'aide à ne pas être malade l'hiver. Avant, j'étais tout le temps malade. Et là, depuis que je prends ça, je le suis vraiment moins. Cette année, je l'ai été deux petites fois, mais ça n'a vraiment pas duré longtemps. Et après, j'étais top shape parce que des fois, je les oublie. Fait que c'est souvent là que je suis plus à risque de tomber malade, surtout quand je travaille de nuit puis que j'ai pas dormi puis tout ça. Fait que voilà, c'est mon déjeuner. Puis pour ceux qui se le demandent, moi, toute ma nourriture, j'ai fait cuire avec de l'huile de noix de coco que je prends au Costco. C'est à peu près 25 $ pour ce gros pot-là. Là, c'est 2,3 litres. C'est quand même dispendieux, mais tu sais, ça dure super longtemps. Là. Mon premier pot, il m'a duré au moins 6 mois. Je sais pas, peut-être plus. Peut-être un peu moins, je sais pas, mais ça dure en plusieurs mois pour 25 $. Fait que je fais plus cuire mes aliments du tout avec du beurre ou de l'huile. C'est vraiment juste avec de l'huile de noix de coco. Puis tu sais, c'est comme solide, là. Mais quand tu le mets dans la poêle, il devient liquide. Fait que c'est ça. La première fois que tu goûtes à ça, c'est sûr que tu trouves que tes aliments goûtent la noix de coco. Surtout que moi, j'aime vraiment pas la noix de coco. Mais après ça, tu t'habitues, puis moi, je pourrais plus m'en passer. Là, je trouve que ça donne un super bon goût aux aliments. C'est bon pour la santé. Comme collation, je mange une poignée de pistaches. Ce midi, je mange. Ben, il est rendu tard, là. Il est rendu 3h40, mais je mange une crème de champignons avec un muffin anglais au croton parce que Tom avait acheté du croton puis je veux pas gaspiller de nourriture, fait que je mange les restants. Voici mon souper de ce soir, donc les légumes congelés du Costco qui restaient, là je vais le mettre au micro-ondes, mais on les avait fait cuire au four avec de l'huile d'olive, sel, poivre et du porc. Puis je vais mettre un petit peu de sauce barbecue. Parce que le porc, il commence à goûter moins bon un petit peu. Mais pas qu'il goûte moins bon, mais tu sais, ça fait quelques jours qu'il a été cuit. Fait
Fait que c'est sec aussi un peu. Fait que je vais mettre de la sauce barbecue. Mais là, je termine celle-là. Mais d'habitude, je mets... celle-là. C'est trop la meilleure. Diana sauce. Voici mon dessert. Un croissant du Costco. Les croissants congelés là, qu'on met au four sont vraiment bons. Je vais manger une pomme comme fringale de fin de soirée. La vidéo une journée dans mon assiette, j'espère que ça vous a plu. Maintenant je vous laisse sur une recette de Rice Krispies, de carré au Rice Krispies, ce que je vais faire avec les guimauves qui me restent à cause du vidéo Chubby Bunny que je vous avais publié. J'ai cherché une recette de guimauve et je vous la fais à l'instant. J'espère que cela vous a plu.